Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a eu le requin sur Fortnite qui a été ajouté et aussi iSpice qui sort ce soir. Donc du coup les gars, je vais tout vous présenter maintenant. Donc du coup, j'ai reçu le skin à l'avance, merci à Fortnite, c'est une publicité. Voilà, c'est une publicité. J'ai reçu le skin à l'avance et donc du coup, je vous en fais une review. Une review détaillée comme vous avez l'habitude sur la chaîne. Donc du coup, voilà le skin. Donc il y a deux styles sur le skin, donc c'est Ice Spice, voilà. Je sais pas pourquoi elle apparaît. Mais du coup, parce que Hospice, voilà, il y a Spice dedans. Mais du coup, voilà, donc il y a Ice Spice, ce style-là, donc ce style un peu plus d'aujourd'hui, même la meuf actuelle dans la vie réelle. Donc il y a le style avec lunettes, sans lunettes. Et il y a le style Ice Spice, princesse du rap, avec du coup le diadème, sans le diadème. Diadème, c'est la couronne pour ceux qui sont perdus. Et réactif ou pas réactif. Je ne sais pas comment c'est réactif. Ils ne le disent pas. Donc on va tester. Mais dans tous les cas, d'abord, on va se faire un peu une review du skin en intégralité. En plus, elle a les cheveux grave longs. En vrai, elle n'a même pas les cheveux comme ça. Et je trouve ça bizarre qu'ils n'aient pas fait la touffe. Le style de touffe qu'elle avait. Mais bon, bref. Du coup, c'est parti, les gars. On va sur une map. Et après, on ira voir le requin, les gars. Vous inquiétez pas. Donc du coup, c'est parti. Du coup, les gars, voici le skin en jeu, voilà. Donc, je le trouve stylé. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Il est vraiment, vraiment, vraiment fidèle à Ice Spice. J'ai vérifié, du coup, c'est dommage, il n'y a pas tout ce qui est pioche et tout. À moins que je me sois trompé. On va vérifier, mais normalement, il n'y a pas. Alors là, j'ai une cabine, normalement, je peux vérifier. Mais du coup, déjà, là, vous avez un aperçu du skin. Donc franchement, je le trouve bien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve bien. Alors par contre, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de mettre les sacs à dos, il y en a deux. Donc on va mettre celui-là. C'est pour celui-là et après on mettra l'autre. Et du coup là, je vais modifier le style et je vais mettre sans les lunettes. On va voir ce que ça donne. Donc franchement, sympa. Moi franchement, je vous dis la vérité, le skin, je le trouve cool. Franchement, en plus, ça peut être un skin tryhard, la vérité. Les gens, je pense que ceux de compète, ils vont vraiment kiffer ce skin. Je pense qu'ils vont vraiment le kiffer. Et on voit que le sac à dos brille. On voit que le sac à dos brille. Mais il n'y a pas d'animation ou quoi. Mais voilà. Non, mais franchement, cool. On va aller... voilà. On va aller prendre une arme. Comme d'habitude, vous connaissez, disponible cette saison. Par exemple, Ascar. Et on va viser avec. Vous voyez, c'est un bon skin. Ça peut être un skin tryhard. Moi, je voudrais bien des joueurs compètes l'utiliser comme skin tryhard. Vraiment, il est cool. Vraiment, il est cool. Voilà. Très simple, mais cool. Moi, je vous dis la vérité. Très simple, mais cool. Il y a aussi deux emotes avec le skin. Malheureusement, je ne peux pas vous les faire écouter. Mais je peux vous les montrer. Et je ne les ai pas équipés. Donc, je vais les équiper. Donc c'est deux emotes copyright. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que c'est copyright et donc du coup, ce serait cool en fait qu'ils fassent une version non copyright en fait. Mais bon. Donc du coup, il y a celle-ci. Inamood, voilà. Et il y a celle-ci. Voilà. Et ça, ça n'a rien à voir. Donc je vais vous les faire ici. Je vais vous les faire ici. Donc il y a celle-ci. Voilà. Franchement, elle est cool, ça va. On la voyait dans le trailer et il y a celle-ci. Voilà. Donc, je peux pas vous les faire écouter malheureusement, mais avec la musique, bien sûr, c'est mieux. Donc, voilà. Et du coup, je vais vous faire l'autre style. Donc, je sais pas si c'est lequel que vous préférez. Moi, je vous dis la vérité, je préfère lui. Mais lui aussi, il peut être pas mal. On va le laisser diadème avec le diadème et tout. On va changer aussi le sac à dos. On va mettre celui-là, du coup. Donc, mini Ice Spice pour un petit surplus de serveur. Voilà. Donc, c'est une mini Ice Spice. Ah, il y a... du coup, ça doit être animé, ça. On va le tester tout de suite. Ça doit être animé, ça, par contre. Parce que si une mini Ice Spice, peut-être que quand tu prends des dégâts, eh ben, du coup, elle fait jarre qu'elle a mal. On va tester tout de suite. Donc, déjà, voilà le skin. Voilà. Il est cool, lui aussi. Beaucoup plus flashy. Mais voilà. C'est pas mon préféré, mais il est cool. Alors, voyons voir. Non, elle fait rien quand du coup on prend des dégâts. Je pense que quand on se heal aussi elle fait rien. Peut-être quand on fait des kills. Peut-être quand on fait des kills elle fait quelque chose. Et on pouvait enlever la réactivité et le diadème. On va les laisser. Et on va aller voir un vrai game du coup avec des bots au requin.
quand on fait des kills et tout, qu'est-ce que ça fait et tout. Et au moins, du coup, j'aurai la scar de Ice Spice et je vous montrerai un peu le requin. Parce que j'ai déjà fait un TikTok, mais je suis pas rentré vraiment dans les détails du requin. Je suis pas allé vérifier vraiment tout, toutes les salles et tout. Donc, on va le faire ensemble. Donc, du coup, les gars, on arrive au requin. Voilà à quoi ça ressemble en général. Donc, le plus gros changement, c'est l'intérieur où c'est devenu un centre commercial. À la base, le requin, c'était pas du tout un centre commercial. Bien sûr, les tags, etc. Sinon, à peu près, c'est la même ville. Donc, déjà, on va spawn ici parce que je n'avais pas visité. Qui se rappelle du duel que tu avais tout le temps quand tu allais à ce coffre? Bah, tu sais quoi, on va aller là. Oh, il y a une chug d'ailleurs, j'ai vu. Je sais pas ce que vous pensez, des gars, du chapitre 2 remix. Mais je trouve que, même bon, là, on a une nouvelle ville et tout. Mais moi, les gars, je vous jure que j'en peux plus d'attendre le chapitre 6. Vraiment, je veux vite que le chapitre 2 se termine. Vraiment, je suis trop pressé d'arriver au chapitre 6. Vraiment, j'en ai marre d'attendre le chapitre 2 remix. Au début, le chapitre 2 remix, c'était cool, mais cette saison, je joue pas à Fortnite. Normalement, je joue quand même pour XP le pass de combat et tout. La saison dernière, j'étais level 350, un truc comme ça. Mais là, en fait, j'ai même pas XP, j'ai même pas eu envie de grind le pass de combat. Je sais pas si vous c'était pareil. Bon, quand même je pense qu'il y en a beaucoup qui ont aimé le chapitre de remix et qui kiffent encore. Mais je sais pas, c'est ça va de en fait ça va une saison ça va pendant 2-3 semaines quoi. Après ça saoule. Donc du coup, on va le tuer lui. Est-ce que la tenue réagit? Non. Alors, est-ce que la tenue, bon là du coup j'ai fait un kill, le sac à dos n'a pas réagi. Est-ce que c'est quand on emote que la tenue réagit? Parce que la tenue est réactive normalement, je comprends pas. Alors attendez, on va visiter ici viteuf. Putain, on n'a pas la zone. Donc on a plein de trucs comme ça, Ice Spice. Ah mais ça, il faut l'analyser, je peux pas. Ok, bon, du coup on va pas perdre de temps. Hop. J'aurais dû le shake le mec. Au moins du coup je sais où sont les autres pendant un petit moment. J'ai pas le réflexe. On va prendre des bandages au cas où on se prend la zone. On va aller tuer. Alors attendez, j'ai vu qu'on pouvait passer par là. Il y a les Coral Buddies. Parce que à la base, chapitre 2, il y avait Coral Castle. C'est un petit clin d'œil, j'imagine. Voilà. Et Ice Spice, elle est tout en bas en fait. Elle est ici. Alors elle est super simple à battre. Vraiment, elle est super simple à battre. J'ai déjà fait un TikTok. C'est assez impressionnant. Les boss, c'est plus les mêmes. Je me rappelle que Sky, elle vous détruisait si vous étiez nul. Voilà. On va le shake. Et vous voyez le sac à dos, je trouve ça bizarre qu'il est pas réactif. Ouais, il est pas réactif. Quand on emote, est-ce que c'est réactif? Ouais. Ouais, elle danse, je crois. Non, même pas. J'ai du mal à le voir. Et donc du coup, ça c'est ce que vous donne Ice Spice du coup. Du coup, elle vous donne un grappin mythique qui est infini. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que quand vous grappinez, ça vous donne les glaçons au pied et ça gêne. En vrai, ça gêne. Et sinon, vous avez le fusil d'Ice Spice. Et ce qui est cool, c'est qu'ils les ont personnalisés. Donc là, ils ont mis des diamants dessus et tout. Et le grappin aussi, il est différent. Et bien sûr, là, on a la carte du Vault qui est juste ici. Hop, on va la mettre. Voilà. On va reprendre la scar. Hop, on va enlever les grosses. Quoique, j'ai de quoi stack des grosses. Bon, on s'en fiche en vrai. On va prendre la PM. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas vérifié autour. Alors d'abord, on va prendre le coffre. Donc comme les autres boss, quand vous avez... quand Ice Spice, vous l'avez battu, elle est avec vous. Hein. Donc là, voilà, vous avez plein d'écrans avec Ice Spice et tout. Voilà, plein de refs. Voilà. New York, parce qu'elle vient de New York. Du coup, là, ici, vous avez, comme je vous ai dit, plein de stuff. Voilà, donc là, par exemple, il y a des kits. On prend les kits au cas où il y a la zone. Petite hog, mais la hog, elle est pas intéressante. Là, à l'intérieur, vous avez des diamants et tout. Voilà, c'est l'argent et tout, le bling-bling des rappeurs, comme les autres. Comme Snoop Dogg et truc. Et Eminem. On va visiter un peu. Là, on a un shoulder pound. Ben là, il y a encore un mec. Ah, donc là, c'est une salle de muscu. Ok. Là, on a une sorte d'ascenseur. Ok, là, c'est pété. Voyons voir en haut. Bon, il y a plein de conduits.
Ok. J'ai vu qu'il y avait un pizza. Comment on appelle pas Pizza Pit. Enfin, si, Pizza Pit. Je sais pas où c'est. J'ai vu des mecs qui montraient ça. Ouais, donc c'est assez grand quand même. C'est assez grand, donc c'est un centre commercial. Est-ce que là, si je me scanne comme j'ai battu à Espace, est-ce que ça passe? Ouais. Donc là, du coup, c'est une sorte de... Je sais pas, une sorte de... Alors, je suis obligé de lancer un GameBot en... comment on appelle ça déjà? En zéro build. Parce que les boss, cette saison, je sais pas pourquoi, mais les boss en build, ils spawnent pas dans les GameBot. Je sais pas si c'est fait exprès par Fortnite. Mais ils spawnent pas. Donc c'est un peu dommage. Mais du coup, bah, on est obligé de lancer un zéro build pour avoir les boss. En GameBot. Sinon, en PP, ils apparaissent. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que j'ai tout vu? Ou est-ce que j'ai loupé des salles comme un idiot? Ouh, là, on a une porte papillon. Waouh, ok. Et donc, du coup, là, ce sera la dernière ville, les gars. Enfin, c'est l'avant-dernière ville qui va spawn un chapitre de remix. Et la dernière, ce sera la ville de Juice WRLD. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, oui, il aura une ville. Oui, il aura une ville. Ok. Là, c'est une sorte... Ah, ok, j'avais pas vu ici. Parce que, oui, il aura une ville, Juice WRLD. Il y a une... Si vous allez au truc d'Eminem... Si vous allez à la ville d'Eminem, vous pouvez trouver dans une salle une carte. Et en fait, ça te montre tous les endroits où il y aura des villes de boss. Et il te montre à un moment un morceau de plage. Donc, ça prouve qu'il y aura bel et bien une ville Juice WRLD. Donc, ce sera au niveau de la plage. Et après, à la fin, ce sera juste Juice WRLD. Et à la fin, du coup, on aura un event, un concert avec tous les rappeurs. Donc, Juice WRLD, Snoop Dogg et tout. Et après, on passera au chapitre... Au chapitre 6. Et moi, il me tarde vraiment le chapitre 6, les gars, vous avez pas idée. Vraiment, j'en peux plus. C'est pas que cette saison, c'est pas que je la trouve nulle. Hein. Je la trouve pas du tout nulle. C'est juste que. En fait, tout ce qui est chapitre 2, chapitre 1, en fait, on le connaît. En fait, t'es hype au début parce que c'est cool de revoir les souvenirs et tout. Par exemple, là, je comprends ceux qui disent qu'ils kiffent le chapitre 1 et tout. Mais le chapitre 1, on l'avait eu à l'époque. Bon, vous l'aviez pas connu pour ceux qui n'ont pas connu. Mais on l'a eu il y a. Il y a même pas un an. On l'a eu il y a même pas un an. Et au bout de genre 2-3 semaines, le chapitre 1, moi il va... Enfin, moi déjà c'est sûr que je vais même pas jouer au chapitre 1. Quand il sera dispo. Ou peut-être que je vais... Allez, je vais faire une game pour tester. Mais sinon je vais pas y jouer. Et je sais que... Enfin, et logiquement, avec le peu d'armes qu'il y a, le vieux stuff qu'il y a, etc., ça va saouler beaucoup de gens au bout de un mois même pas. Au bout de pas longtemps, ça va vous saouler. Enfin, logiquement. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir jouer pendant un an entier au chapitre 1 avec les anciennes armes et tout. Il n'y a pas d'armes mythiques et tout. Et ils vont kiffer, mais... Moi, perso, je sais que je vais pas kiffer. Du coup, l'air d'Ice Spice, quand vous faites un kill, vous avez le piment et vous courez plus vite. Vous voyez, là, je cours plus vite. Et c'est un bon avantage. C'est moins cheaté que ce que je pensais. Parce que moi, j'avais cru qu'en gros, ce serait quand tu recharges ou quand tu tires avec l'air... Que t'as le piment. Et ça aurait été cheaté parce que du coup tu te déplaces tout le temps vite. Mais pas du tout. Mais sinon le grappin il est cool parce que tu peux vite te déplacer. Et il est infini. Mais moi ce que je trouve dommage c'est les glaçons quoi. Après c'est pour le ice tu vois. Le ice de Ice Spice. Ah oui et aussi un autre changement. On le voit là maintenant. Il y a le mythe de Pleasant Park qui s'est ouvert. Et il y a un hélico dedans. Ça c'est un changement aussi. Et il y en a qui savaient pas. Mais vous pouvez déjà aller sous le stade. Voilà. Attends, parce que là, j'avais le piment avant. Non? Ah non, ok. C'est quand je l'ai tué que j'ai eu le piment. Donc là, en fait, c'est ouvert. Mais en fait, vous pouviez déjà aller en bas. En fait, il y en a beaucoup qui n'avaient pas capté. Il y en a qui me disaient, Anas, on entend des bruits sous Pleasant. Mais on sait pas... mais il n'y a rien, on peut pas y aller. En fait, si vous pouviez y aller depuis le début de la saison chapitre 2, en allant dans ces toilettes... Ou aussi il y a une poubelle, je crois que c'est cette poubelle. Je suis pas sûr, je vais tester. Voilà, vous voyez. En gros c'est un conduit et ça vous ramène en bas. Et ça vous pouviez le faire depuis le début les gars. Depuis le début de la saison. C'est juste que, bah, y en a ils l'ont loupé hein, tout simplement. Vous pouviez vous déguiser. Voilà, hop, tu te déguises. Faut se mettre bien en face. Voilà, tu te déguises. Et tout ça. Et t'avais du stuff sous Pleasant. Et il y en avait beaucoup qui étaient pas au courant.
Et maintenant, vous êtes au courant. Voilà. Donc, mais là, maintenant, c'est ouvert et il y aura plus de gens. Oh, par contre, il y a un gros bug. Ah ouais, il y a deux gros bugs. What? Mais what? What? J'ai eu un bug en live avec vous. Bon, de toute façon, on avait tout vu. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, c'était un peu la review d'iSpice. Elle sera disponible ce soir dans la boutique à 1h du mat, le 15 à 1h du mat. N'oubliez pas, ah ben d'ailleurs j'ai avancé dans le pass. Comme je vous ai dit les gars, j'ai pas joué cette saison. De toute façon, je suis à 3 niveaux d'avoir terminé tout. Les gars, n'oubliez pas, si vous l'achetez ce soir dans la boutique, n'oubliez pas le code Nanas. D'ailleurs, même moi je l'avais plus là, donc faire bien gaffe à le mettre. Donc N-A-N-A-S-S, hop, vous fouillez. Et voilà, et là vous l'avez. Et n'hésitez pas, voilà, vraiment ça aide beaucoup. Je sais qu'il y en a qui le font déjà, mais je le rappelle, on sait jamais. Voilà. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'est Nanas pour le sein de vous. Bang, bang, bang!